Peace for Ukraine or Ukraine now. Russia, just go home. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. I nostri programmi sono offerti in molte lingue. Consultate suprememastertv.com/schedule. It said Nostradamus returned to Alet in search of books hidden by the Cathars. Alet-les-Bains, a medieval village of Nostradamus, part 2 of 2. Continue watching to find out more. No meat eating, no eggs, no fish, no chicken, nothing of the sort, simply vegetarian. His Divine Grace Swami Prabhupada, vegetarian. Today's show will be presented in French with subtitles in Arabic, Olasiz, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. Lorsque les Occitans se saluent, ils peuvent demander va plan, ce qui signifie comment ça va en Occitan. Téléspectateurs bien-aimés, je m'appelle Brigitte. Les Occitans sincères prient pour que votre cœur soit toujours réconforté dans l'étreinte du divin. Bienvenue dans l'émission Alet-les-Bains, un village médiéval de Nostradamus, seconde et dernière partie. Bivej. Go green. Do good deed. To keep world peace. Dans la région pittoresque d'Occitanie en France, se niche l'enchanteur village médiéval d'Alet-les-Bains. Chargé d'histoire et entouré d'une beauté naturelle époustouflante, ce village occupe une place particulière dans le cœur des habitants et des visiteurs. Si Alet-les-Bains est fière de ses nombreuses caractéristiques captivantes, elle est surtout réputée pour son association avec le célèbre voyant et astrologue Michel de Nostradamus, plus connu sous le nom de Nostradamus. Après que Nostradamus obtient sa licence, il voyage énormément pendant près de 5 ans, parcourant la Provence et les régions environnantes, tout en pratiquant la médecine. Dans chaque ville qu'il visite, il fréquente les boutiques des apothicaires à la recherche de toutes sortes d'herbes médicinales. Son étude détaillée des plantes et des produits pharmaceutiques l'amène à rechercher des recettes de plantes simples. Ces simples ont un lien historique profond avec les moines et leurs pratiques médicinales. Les plantes présentes dans les jardins des monastères étaient réservées exclusivement aux récoltes et appréciées pour leurs propriétés thérapeutiques. Entre 1521 et 1529, Nostradamus revient à Alet et à l'abbaye Notre-Dame à plusieurs reprises.
There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Tunisia is one of them. Tunisia Penal Code. Sections 3 and 4 state that those who mistreat domestic animal people of their own or belonging to others are subject to penalties of a fine and imprisonment. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan, make peace, so be it. Nous avons le privilège d'entendre M. Richard Audabram, l'organisateur du festival Nostradamus et le conservateur et propriétaire de la maison de Nostradamus à Alet. Érudit, dévoué et passionné de Nostradamus, il partage avec nous ses recherches et sa passion pour Nostradamus. La maison de Nostradamus, qui se trouve à Alet-les-Bains, est un lieu extrêmement important puisqu'elle se trouve au centre du lieu qui a été retenu depuis des millénaires comme étant le lieu de rayonnement spirituel, le lieu de rayonnement énergétique. Monsieur Audabram explique que Nostradamus a grandi en étant en constante communion avec Dieu. C'est un descendant de la tribu d'Issacar, aussi appelée tribu de Jacob, dont la responsabilité était, dans le monde d'Israël, celui de la communication ou de l'observation du ciel et des étoiles. Il a grandi dans cette réalité du Dieu unique. D'ailleurs, la devise de la famille de Notre-Dame, de Notre-Dame étant le nom de famille de Nostradamus, la devise est « soli deo » en latin, que je traduirais par « un seul Dieu ». Et que je rapprocherai de la notion et du paradigme juif, Echa Menan en hébreu, qui veut dire Dieu est un, Dieu est unique. Et quand on a la chance d'être en relation avec l'invisible et de recevoir, comme Nostradamus a pu recevoir tant d'images et tant de voix qui sont venues lui parler, oui, je crois qu'il est en mesure de dire je suis en relation avec l'invisible. Et comme son grand-père, qui était un grand homme de la recherche de Dieu, qu'il faisait à travers la Torah et à travers la Kabbale, son grand-père était un grand membre de la Kabbale hébraïque, je sais que Nostradamus, enfant, avait déjà été initié, il était chrétien, baptisé, et en même temps il avait été ouvert à la Torah juive par son grand-père. Voilà bien une façon d'avoir un esprit large, un cœur large et généreux dans son dialogue avec Dieu. La Kabbale est aussi connue en tant que mysticisme juif. La connaissance kabbalistique originelle était considérée comme une composante cruciale de la Torah orale. Elle n'a pas été consignée dans la Torah écrite ou les cinq livres de Moïse. Selon les croyants juifs, Dieu a donné la Torah au vénéré maître éclairé Moïse, végétarien, sur le mont Sinaï, vers le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Wanna be a trustworthy friend? Be vegan. Fidèles téléspectateurs, prenons quelques instants pour contempler le divin en nous. Nous revenons dans un court instant, ici sur Supreme Master Television. Peace for Ukraine or Ukraine. Ravi de vous retrouver dans l'émission Alet-les-Bains, un village médiéval de Nostradamus, seconde partie. Il semble que Nostradamus soit revenu à Alet à la recherche de livres cachés par les Cathares. Au XIe siècle, la région du Languedoc, dans le sud de la France, est une société cultivée, ouverte et tolérante. Parmi eux se trouvent les Cathares, de bons citoyens qui pratiquent l'amour,
la paix, la charité, la vie simple, conformément aux principes spirituels enseignés par le Seigneur Jésus-Christ, végétarien. Les initiés cathares sont à l'époque essentiellement véganes, ils pratiquent la méditation pour contacter Dieu directement et croient en la réincarnation et en la loi du châtiment. Et Nostradamus, déjà enfant, adolescent, jeune homme, connaissait cette réalité, puisque son grand-père était lui-même kabbaliste et il l'avait initié à cela. Le lieu est extrêmement spécial et c'est tout à fait le genre d'énergie, de spiritualité que les cathares ont cherché aussi en leur temps. Nostradamus est là, 3 siècles après les cathares. Mais le chemin, la quête spirituelle, la quête de pureté et d'harmonie suprême reste la même. Rappelons-nous aussi que Nostradamus est venu à Alette accompagné d'un médecin allemand qui s'appelait Ulrich de Mayence, et que c'est ensemble qu'ils ont cherché à retrouver la pensée des cathares. Comme nous le savons aujourd'hui, qu'au cœur de la cité médiévale d'Alette-les-Bains, dans les caves, nous ne savons pas où, mais des écrits disent que des livres cathares ont été cachés ici dans une bibliothèque secrète. Et ces livres n'ont jamais été retrouvés. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab tests, or for any reason at all. Be vegan, make peace. So be it. Selon la biographie Ulrich de Mayence, la Bible de l'an 2000, le maître de Nostradamus, de l'écrivain et mystique belge Michel de Roisin, Nostradamus a un maître énigmatique qui lui enseigne de puissantes connaissances magiques et alchimiques. Ce personnage mystérieux est Ulrich de Mayence, un médecin alchimiste, aventurier et prophète. En 1509, Ulrich de Mayence rencontre probablement les cathares à Montségur en Occitanie pendant des vacances. Plus tard, il poursuit une carrière dans la prêtrise et est ordonné prêtre en 1511. Cependant, il est défroqué la même année et se tourne vers l'étude de la médecine. Il termine ses études de médecine en 1518 et s'embarque en 1519 pour un voyage vers le Nouveau Monde, plus précisément le Mexique. Pendant son séjour dans le Nouveau Monde, il semble qu'Ulrich de Mayence rencontre des Mayas, des Aztèques et les nations indigènes d'Amérique du Nord. À son retour en Europe, il amasse une fortune considérable. Alors qu'il soigne les victimes de la peste à Toulouse en France, il rencontre présumément Nostradamus. Suivant sa vocation mystique, Ulrich de Mayence fonde une société occulte appelée Ecclesia Decatogue en 1532. En 1540, il aurait assemblé une flotte et entamé un voyage d'études extraordinaire en Extrême-Orient. Ses voyages l'amènent à travers l'Inde et le Tibet, où il visite des sites sacrés et rencontre même le troisième Dalai Lama, sa sainteté Sonam Vyatso, végétarien. Ulrich de Mayence revient en 1547 pour se consacrer à son œuvre majeure, l'Arbor Mirabilis, un pamphlet mystico-prophétique de 1136 pages qu'il aurait imprimé lui-même. En 1555, Ulrich de Mayence retrouve probablement Nostradamus à Paris, en France, l'année même où Nostradamus publie son livre Les Prophéties. Cependant, le 7 avril 1558, Ulrich de Mayence disparaît mystérieusement. Respected leaders of the world, you are the laws makers, so obey your good laws. Shut down forever all places that hurt, harm, murder animal people. Forbid all related cruelty. For God's sake, bless you. Il existe peu d'informations sur l'Ecclésia Decatogue. Selon Michel de Roisin,
il aurait rencontré un certain Dr Vitus qui lui aurait donné accès aux archives des Catogues. Dans son livre, Michel de Roisin affirme que l'Ecclésia des Catogues a été créée par Ulrich de Mayence dans le but de sauvegarder les connaissances contenues dans son livre énigmatique Arbor Mirabilis. Selon Ulrich de Mayence, Arbor Mirabilis fut porté par un chevaucheur, amené à Montségur et enfoui quelque part au pied du château, non loin du trésor présumé des Cathares, non loin aussi du Saint Graal. Sur le lieu exact où il aura été enterré, naîtrait une fontaine indiquant l'endroit qui devra être creusé. Il est prédit que si les hommes, par un retour au respect du commandement majeur, aiment ton prochain comme toi-même, auraient éloigné d'eux le fléau de la guerre sans pitié qui les menace, l'Arbor Mirabilis serait découvert et marquerait le signe que l'humanité pourrait, sans heurts, connaître l'ère nouvelle ou épanouissement de l'arbre merveilleux, la Bible de l'an 2000. Cela fait écho au message que Nostradamus a livré à l'humanité. Nostradamus est beaucoup plus qu'un prophète, beaucoup plus qu'un homme qui pourrait annoncer le futur. C'est un homme qui nous invite à la réflexion, qui nous confie des messages, et que ces messages nous disent « Hommes et femmes du présent, du futur, prenez conscience aussi de votre responsabilité dans la construction de l'harmonie de demain. » Nous remercions M. Richard Audabram, titulaire d'un doctorat, d'avoir partagé ses connaissances sur Alette-les-Bains et son histoire liée à Nostradamus. Puisse l'humanité réfléchir à ses actions et se tourner rapidement vers des modes de vie vegan bienveillants et harmonieux pour un monde en paix, aujourd'hui et pour toujours. Pour plus d'informations sur la maison de Nostradamus, veuillez visiter maisondenostradamus.fr. Vegan side effect, having trouble finding bad thoughts. Nobles téléspectateurs, merci de votre compagnie aujourd'hui. Dans un instant, retrouvez les élégants Springbok Person Sauteur ici sur Supreme Master Television. Que les bénédictions divines vous guident vers des jours toujours plus radieux. Noble viewers, thank you for your company today. Coming up next is the elegant Jumping Springbok People here on Supreme Master Television. May divine blessings guide you toward ever golden days. Be vegan, make peace, do good deeds, heaven Godspeed. Russia, leave Ukraine or you reign now. Peace be with you too. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WAU.